Savez-vous ce qu'est la prévision ? La prévision est un outil utilisé par les entreprises et l'industrie dans le but de prédire le comportement futur des clients. Par exemple, un supermarché a besoin de pouvoir anticiper le nombre de biens que les clients achèteront. Une bonne prévision évite d'avoir des invendus ou de manquer de stock. L'un des modèles statistiques de prévision les plus populaires est le fameux modèle de tendance amortie, largement utilisé dans les applications empiriques grâce à sa performance remarquable. Dans le modèle de tendance amortie, la dynamique est menée par une source unique de bruit. Le bruit est une variable aléatoire qui influence la valeur enregistrée par les séries de chaque palier de temps. Cependant, que se passe-t-il si l'on utilise le modèle de tendance amortie avec des bruits multiples ? C'est ce que nous essayons d'expliquer dans cet article. Utiliser plusieurs bruits représente une complication en termes d'estimation et de prédiction du modèle. Mais dans cet article, nous montrons qu'il existe une méthode simple pour effectuer des prévisions avec plusieurs sources de bruit. La simplicité de cette méthode lui permet de se répandre non seulement au sein de la sphère académique, mais aussi au sein des entreprises et de l'industrie. Dans cet article, nous comparons la performance de prévision du modèle de tendance amortie selon notre hypothèse, des sources multiples de bruit, avec le modèle standard, une source unique. En utilisant la simulation de données, les deux approches ont une performance prévisionnelle plutôt similaire. Toutefois, en utilisant des données macroéconomiques réelles, déterminées sur 271 séries temporelles et couvrant presque 50 économies, nous montrons que notre approche est en mesure de surpasser l'approche standard, notamment sur les courtes séries temporelles. En conclusion, cet article apporte un outil simple, rigoureux et facile d'utilisation pour accompagner la prévision de données futures.